Yo les potes, c'est Sented. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. Et oui, aujourd'hui, j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire. Quelque chose a changé. Et cela concerne bien évidemment la planète que l'on connaît tous en ce moment. J'ai nommé la planète de Trevis Scott. Alors, comme vous le savez, les potes, pour faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, une gigantesque planète était apparu sur la carte de Fortnite. Enfin, je dis sûr, mais autour de l'orbite de la planète de Fortnite plus exactement. Et en gros, pour vous expliquer les potes, il s'agit d'un futur événement qui a été liké par Fortnite à l'effigie de Travis Scott pour un prochain concert qui se passera à l'image de son album, c'est-à-dire sur la fête foraine. C'est pourquoi, et eh bien, on y voit un peu des genres de fête foraine à droite, à gauche de cette planète et tout au centre, ce qui semblerait être un truc similaire au cube et la musique que vous entendez il s'agit de la musique d'outro de le dernier album de Trevis Scott alors voilà clairement là je vous ai fait un petit récapitulatif et on peut se demander là oui maintenant une fois qu'elle est apparue hier quelles sont les nouveautés aujourd'hui où est ce que bien le concert va se passer où est ce que euh, il va y avoir un autre événement sur Fortnite et eh bien les potes j'ai la réponse à tout alors avant de tout vous dire je compte bien évidemment sur vous pour que vous me mettiez un petit pouce bleu que vous vous abonniez encore un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Sunted S-U-N-T-T-E-D dans la boutique, ça me fait énormément plaisir. Et d'ailleurs les potes, n'hésitez pas à m'envoyer vos gameplays. Le lien est dans la description, je compte sur vous. Et du coup la vidéo commence maintenant, c'est parti alors, oui, comme je vous le disais, là, la planète est apparue et clairement, ça fait archi plaisir. Et on savait que, eh bien, l'événement allait se passer sur la carte. Donc, évidemment, on avait cherché à droite, à gauche, un peu encore à gauche. On avait même regardé au niveau de l'agence et des silos pour voir si des petites choses avaient bougé. Et eh bien, finalement, les posters ne nous ont pas menti pourquoi car on connaît, dès maintenant, le nouveau lieu d'apparition de l'événement, eh bien, à l'effigie de travis scott. Pour son concert, les potes. Et oui, vous ne rêvez pas. Et cela va se passer où Eh bien, directement ici. Alors là, vous allez me dire, juste la scène tête sur l'eau. Eh bien, euh, oui, c'est ça. C'est carrément ça, les potes. Mais vous allez voir clairement, certaines choses ont changé dans la nuit. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte. Mais cela se passe juste ici. Et vous allez voir, en gros, je vous explique, certaines choses ont été modifiées. Alors clairement, il ne s'agit pas du bus de combat qui est juste là-bas, l'effigie de Deadpool. Non, 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 c'est bien plus bas sur la carte. Regardez clairement, Epic Games a commencé la construction de la salle de concert en plein air. Oui, vous ne rêvez pas, là, c'est clairement ça. Et regardez clairement, là, qu'est-ce qu'on peut y voir Eh bien, un genre de générateur. Là, clairement, il s'agit d'un générateur qui semble alimenter, eh bien, ceci en énergie. Clairement, comme ça, lorsque ce sera la nuit, eh bien, Epic Games et Fortnite et les travailleurs pourront continuer de monter la scène, car oui. Là clairement ce sont les lumières Ensuite on y voit le premier euh, L'effigie de la scène clairement les fondations de la chaîne Avec quoi Clairement là il n'y a plus de doute Des espèces d'enceintes Là 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 on ne peut pas le nier les potes c'est Niable. Clairement il s'agit de gigantesques enceintes et clairement moi ça me fait penser à Marshmallow. C'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Là il y a une enceinte, deux enceintes, trois enceintes, et il s'agit de la première scène. Clairement la première scène avec des petits cartons en bois avec une petite signature juste ici. Donc voilà, clairement il n'y a plus de doute. Et si on avait encore des doutes, et eh bien regardez ça. Généralement on accroche les enceintes sur ces genres de pylônes métalliques. Donc là clairement les potes, il n'y a plus aucun doute. Un événement. Marshmallow oh aura... un événement Marshmello, non non non, un événement Triviscote aura bel et bien lieu à cet endroit et là clairement à mon avis les travaux ne font que commencer car oui, là clairement Epic Games, eh bien ils ont envoyé du lourd. Car là franchement pour amener des machines comme ça, ils vont creuser, déplacer des choses, poser des choses, créer une gigantesque scène. Et à mon avis ils vont vouloir faire bien plus marquant que l'événement marshmallow. Alors on peut s'attendre à une scène encore plus gigantesque et what the fuck. Et de l'autre côté, eh bien c'est la même chose. Clairement on a le début de l'autre scène. Et là clairement c'est encore plus big parce que là on n'a pas 3 enceintes, mais 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 et 20 enceintes en tout. Donc là clairement, le son va être juste incroyable. Il y a l'autre partie de la scène, car oui là avec ses gigantesques aimants, eh bien je pense que la scène va partir d'ici et elle va recouvrir... Toute cette partie de la carte, car oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait aussi des modifications à cet endroit-là, juste ici, et aussi sans oublier là. Donc, clairement, on aura peut-être même plus d'eau ici, mais une gigantesque scène. Alors, voilà, ça de toute façon, seul l'avenir nous le dira, et de toute façon, chaque jour, on risque d'avoir des modifications. Concernant et eh bien cette fameuse étoile qui nous guette et qui va nous apporter un événement juste extraordinaire. Voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé les news d'aujourd'hui, car oui, il va se passer énormément de choses et ce sera à ne pas manquer. Rassurez-vous, je serai en première ligne avec vous pour ne rien manquer. Voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour que vous me mettiez un petit pouce bleu pour que vous vous abonniez. Et sur ce, et eh bien, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans un prochain live. Ciao les potes